Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve ce 24 décembre pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. On va découvrir un nouveau mode Noël qui a été fait par plusieurs personnes, Spirilinx, HSDev, Minifor, vraiment pas mal de personnes. Il est assez sympa et j'espère vraiment qu'il va vous plaire puisque je voulais vraiment faire quelque chose en rapport avec Noël pour cette vidéo sur Yandere Simulator aujourd'hui. C'est un jour spécial, donc vidéo spéciale quand même. Faut être d'accord avec le thème et bien évidemment, je sais que vous l'attendez, le calendrier de l'Avent qui est là, la dernière case qui nous tend les bras, qui est juste ici la 24e case. Et comment est-ce que je vais l'ouvrir? Comment est-ce que je vais terminer l'ouverture de ce calendrier de l'Avent? Bien, vous savez quoi? Je vous propose que vous me suiviez. C'est parti. Bon. Bon voilà les amis, comment se termine l'aventure de ce calendrier? Putain le pauvre, il a pris cher. Mon père s'en est super bien sorti, mais vraiment comme un roi, parce que c'est un truc de fou. Genre il a pas abîmé une seule seconde le sachet. C'est... Bon alors juste le dessus, voilà. Mais sinon le sachet est intact, c'est un truc de ouf. Franchement, le pauvre quoi. Regardez-moi ça, voilà, après 24 jours, le calendrier, il est quand même là. Il a tenu, il s'est pas arraché. Et voilà, le calendrier à la fin. Je compte sur vous d'ailleurs les amis, parce que normalement dimanche ou lundi, normalement on va essayer de faire ça pour dimanche après-midi, il va y avoir une vidéo best-of de toutes les façons que j'ai ouvert le calendrier pendant ces 24 jours de décembre. Du coup, je compte sur vous pour être un maximum présent et vraiment accueillir cette vidéo comme jamais parce que ça risque d'être n'importe quoi. On va quand même ouvrir le sachet parce que faut le faire une dernière fois, on est le 24, c'est Noël, c'est parti, j'ai pas découvert. Et du coup, ah ouais, excellent! Je suis encore plus content d'avoir la masse de chocolat Père Noël qu'un seul gros Père Noël en chocolat. Parce que je pensais que j'allais avoir juste un Père Noël en chocolat énorme, mais non, j'ai 20 milliards de chocolat Père Noël. Oh, ça fait plaisir ça. On va s'en ouvrir un pour faire plaisir, Putain, il y a du carton partout, ça vole, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai pris un Père Noël, on va l'ouvrir. J'espère que c'est bon au moins, attention. Oh ouais, excellent. Je vais m'enjailler tout le reste de décembre avec ça, mon gars. Ça va faire plaisir, ça va faire plaisir, les amis, vraiment. En tout cas, voilà pour les 24 ouvertures du calendrier. C'était vraiment juste énorme. C'était quelque chose que j'ai vraiment adoré partager avec vous. C'était parti juste sur un délire à la base. Je comptais pas du tout en faire une série. À la base, c'était juste le premier. Voilà, je voulais l'ouvrir un peu de manière un petit peu fou. Et après, je me suis pris au jeu. On s'est tous pris au jeu et on s'est beaucoup amusé avec ça. Ça me fait plaisir. Ça fait un peu bizarre de me dire que j'aurais pu mon calendrier à ouvrir en début de vidéo. Je vous avoue que ça m'est un peu bizarre. En tout cas, maintenant, c'est fait. On y est, on est Noël. Du coup, maintenant, on va enfin découvrir ce mode Noël Yandere Simulator. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis, on commence avec ce nouveau mode Noël sur Yandere Simulator. Regardez-moi ça, comme Ayano est magnifique en Père Noël, elle est super, super belle. On a un petit Light Simulator avec plein de petites sucres, des sucres d'orge, c'est ça, c'est des sucres d'orge. C'est magnifique, ça fait plaisir, et encore un nouveau mode Noël, ça fait pas de mal. Du coup, c'est parti, on va lancer le jeu et on va voir un petit peu tout ce qu'il réserve. C'est génial. Déjà, on arrive du coup dans la chambre d'Ayano et on voit le magnifique skin de Ayano en mode Père Noël. C'est magnifique, elle est la Mère Noël. Aujourd'hui, Ayano est la Mère Noël et c'est super stylé. On a un beau petit tapis avec une petite guirlande, comme des flocons de neige et de la neige. C'est très très joli. Là, il y a un flocon de neige qui s'est perdu, mais c'est pas grave. Et regardez le petit détail qui tue en bas à droite. Et bah, en fait, la touche A, donc la touche action pour ouvrir la porte, et bah, c'est un petit Père Noël. C'est juste génial. À chaque fois qu'il y aura un bouton d'action, il y aura un petit bonhomme dessus. C'est génial. Allez, c'est parti. On va voir le basement. Déjà, c'est quelque chose à changer. Non, le basement, t'as rien qu'à changer. Ok, bah c'est parti pour aller à l'école, on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Waouh, génial, on a encore un petit sapin, c'est très très joli. Regardez, c'est des sucres d'orge qui tombent. C'est excellent. Waouh, c'est génial. Oh putain, je suis vraiment trop fan des modes Noël, franchement j'adore. Et ils sont tous habillés avec... C'est un Pikachu, on est d'accord, c'est Pikachu derrière. Putain, c'est Pikachu. C'est excellent, il y a Pikachu. Waouh. Et on a une petite musique bien sympa en plus. Excellent, excellent. On a une petite guirlande qui fait toute l'école. Du coup, c'est génial. L'horloge qui est rouge, très très belle horloge, elle est magnifique. Il y a même la, la prof de sport qui s'est fait une petite folie. Elle s'est dit aujourd'hui, je fais la ouf. Je mets un jogging vert. Enfin, tu vois, faut pas aller trop loin, tu vois. Mais un petit jogging vert, ça fait la différence. Franchement, ça fait plaisir. Et oui, les amis, je l'ai vu tout de suite. Le sucre d'orge géant. Waouh, c'est génial. C'est mortel qu'on ait un sucre d'orge comme arme. C'est génial. Et vous avez vu quand je le récupère cette fois-ci, le Y, bah, c'est un petit bonhomme.
bonhomme de neige, c'est génial. Alors je voulais juste voir Osana parce que Osana est magnifique avec sa petite tenue. Regardez ça, comment ça lui va bien, c'est excellent. Regardez. Et là le X du coup c'est un petit sucre d'orge au niveau de le bouton d'action, c'est génial. Alors si on arrive là, oh là là, elles sont toutes belles avec leur superbe tenue. On a des sucres d'orge qui tombent de partout, des sucres d'orge de partout. Et on va se balader un petit peu dans l'école. Waouh, c'est génial. Tout ce thème un petit peu rouge, vert, blanc, c'est génial. On a waouh. C'est excellent, regardez-moi le club occulte qui est complètement transformé, encore une fois avec les couleurs de Noël, rouge, vert et blanc. On a des petits flocons partout, c'est génial, regardez-moi l'espèce de tapis, les fenêtres, elles sont magnifiquement bien changées. Est-ce que les sièges, ils sont comme ça, à la base? Je suis en train de me poser la question, parce que franchement, on dirait trop les sièges de Père Noël, vous savez, quand vous allez dans les supermarchés, ou même à Disney, parce que je vais souvent à Disney, j'habite à côté. Et du coup, il y a toujours un siège comme ça, un petit peu doré et rouge, avec de la fourrure, où il y a un Père Noël qui est là, où tu peux prendre des photos avec lui et tout. Alors, je me rappelle pas si les sièges sont comme ça à la base, mais en tout cas, ça va trop bien avec le thème. Ah, je suis vraiment trop content les amis qu'on soit à Noël, qu'on soit le 24. Alors dites-moi les amis en commentaire parce que moi j'ai toujours ouvert mes cadeaux de Noël le 24 au soir. C'est vrai que selon les familles c'est ou le 25 au matin, soit le 24 au soir. Moi ça a toujours été le 24 au soir, donc dites-moi ça en commentaire. Et j'ai hâte d'être ce soir pour pouvoir ouvrir mes cadeaux. J'ai plein de petits cadeaux à ouvrir, ça me fait super plaisir. Allez, j'arrête de parler et on va voir sur le toit. Waouh, on a un magnifique sol en carreau avec du rouge, du vert encore une fois. Là on a waouh, on a la neige, génial, encore de la neige, toujours plus de neige. Et on a du coup le gymnase qui est devenu rouge, c'est génial. Je savais pas qu'on pouvait changer la couleur du gymnase, bah voilà, le gymnase est devenu rouge. On a de la neige partout et un magnifique sapin sur la colline. Je vais aller activer les nouvelles animations, hop là, waouh. Regardez, c'est trop beau. C'est génial, une espèce de petites épines de sapin. Enfin je sais pas si c'est bien ça, mais ça me fait penser à des épines de sapin, c'est tellement stylé. Waouh, le vert et tout, ça rend trop bien. Et regardez les maîtres de club, elles sont trop belles. Franchement elles sont trop mignonnes, waouh. Franchement ce mode il est grave cool, merci à vous tous qui avez fait le mode parce que je sais qu'ils ont été beaucoup à bosser dessus. Bah franchement merci beaucoup à vous tous parce que c'est un mode qui déchire vraiment. Et les amis, on a failli oublier la tradition quand même. Putain, mais c'est la deuxième fois que je risque d'oublier. On va regarder le skin de plus près quand même. Le skin est tellement joli, ce serait dommage de pas le regarder. Regardez-moi ça, comment il est beau. Elle a un flocon en barrette qui est magnifique. J'ai l'impression que les cheveux d'Ayano ont un peu changé. Ils ont plus de, je sais pas, ils ont plus de volume, un petit peu plus de dégradé de couleur. Je trouve ça très très joli. En tout cas, j'ai l'impression parce qu'il me semble vraiment plus noir que d'habitude. Alors peut-être que je me trompe. En tout cas c'est très joli. Et le skin de la mère Noël qui est absolument magnifique. Ça lui va super bien. Ayano est juste incroyablement belle. On récupère le sucre d'orge. On regarde s'il n'y a pas autre chose qui a changé. Non, j'ai pas l'impression. Maintenant on va aller voir Sori et on va lui demander tout simplement d'activer les nouvelles animations. Voilà, parfait. Et on retourne sur le toit. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir tuer? Je suis désolé Osana, tu vas devoir décéder. Je suis désolé pour toi, mais là t'es trop tentant. T'es toute seule, c'est trop tentant. Allez, hop là, avec un sucre d'orge. C'est horrible avec un sucre d'orge. Ah, du coup on va pouvoir voir s'il y a une autre musique. Ça. À chaque fois, je suis curieux de savoir un petit peu toutes les petits détails qui changent, même les musiques du coup. Alors attention, est-ce qu'une musique est différente? Hop là. Je préférais la première version. Je préférais la première version. Oh putain, elle fait flipper avec son sucre d'orge, c'est abusé. Oh, regardez le téléphone, c'est super joli, j'avais pas fait attention. Regardez comment c'est beau, tout ça, c'est dégradé de rose, de vert, de rouge, c'est magnifique. Allez, on continue les amis, on va tuer Midori pour la dernière musique. Non, encore une, je suis désolé Oka, mais on veut pas, hop là. Et la dernière musique, c'est encore pire. En fait, ils ont voulu faire des versions ralenties à chaque fois, mais là, ça part complètement en steak, ça veut plus rien dire. On dirait que c'est Satan qui parle. Allez, on va relancer la journée. On va récupérer notre sucre d'orge parce que, quand même, la classe, le sucre d'orge, la classe. Waouh, regardez, c'est tellement stylé. On dirait vraiment que le labyrinthe, il y a de la neige dedans et tout. Enfin, c'est génial. Du coup, voilà le fameux gymnase dont je vous parlais. Il est très très joli en rouge. Il rend beaucoup mieux en rouge qu'en bleu d'ailleurs. Et le magnifique sapin. Un sapin qui, bien évidemment, envoie des sucres d'orge. C'est bien connu, hein, bien évidemment. Si vous avez un sapin de près de chez vous, regardez bien, il y a des sucres d'orge qui tombent. Enfin, c'est un truc de fou. Non, en vrai, c'est vraiment stylé. C'est plutôt rigolo. Et oh, regardez-moi ça là-bas. Le bois, il est rouge. On va voir ça tout de suite. Waouh, regardez comment c'est joli en rouge. Oh là là, c'est beau. Si on ouvre la cabane, regardez tout ça, c'est rouge, c'est super sympa. Franchement, c'est génial comme mode. Même le chaton, il se met bien. Le chaton, il se met bien. Il est dans la neige tranquillement. Il bouge pas. Lui, il est toujours au même endroit, au calme. Lui, il se prend pas la tête. Mais c'est plutôt stylé. Il est plutôt sympa dans la neige. Oh, est-ce que vous croyez qu'un délinquant va avoir un sucre d'orge ou pas? Ah, c'est dommage. J'aurais trop aimé. Est-ce que les professeurs ont changé un petit peu? Mais ouais, carrément, elles ont mis une petite tenue. Elles aussi, elles ont pas trop fait les folles. Elles sont dit, on va mettre un petit truc rouge, un petit jean vert. Ça va passer crème. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, le club de cuisine, est-ce qu'il a changé? Oh là là, wow, ça fait bizarre. Putain, tous les carrés comme ça, ça fait vraiment bizarre. Drama club. Oh, regardez les masques, ils sont devenus tout verts. C'est génial. Putain, il fait encore plus flipper lui, c'est horrible. Le club occulte, j'en reviens pas. Je trouve ça trop stylé. C'est le siège, il me fait trop kiffer. Je sais pas pourquoi, il me fait trop kiffer. Voilà, le club de gaming, c'est pareil. Ils ont voulu se faire un petit truc Noël. Ils se sont dit, bon, écoute,
écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup de budget, on peut pas changer toute la salle. Et là, il y a un mec qui a dit, moi je sais, j'ai une idée de fou. Et si on changeait tous les claviers en rouge? Vendu, vous m'en commandez 25. Et voilà, voilà, c'est l'histoire des claviers. Putain, je vais toujours trop loin. Et je crois qu'on a à peu près tout vu, je pense. On peut toujours essayer d'aller dans le roi des démons pour voir s'il y a un petit truc qui a changé, je pense pas. On va essayer de voir ça. On va essayer ça tout de suite. Hop là, on va récupérer un petit couteau du rituel. Voilà, on va tuer quelqu'un. Hop là, et on le repose tout de suite. Hop là, insère-le. Et est-ce que quelque chose a changé dans l'endroit des démons? On va voir ça tout de suite. Eh bien, pas du tout. Oh! Mais bien sûr que si! Lui, rien du tout. Lui, rien du tout. Mais regardez elle! Waouh, elle est tellement stylée! Regardez ça, là, les cœur vert, elle a ses collants qui sont devenus rouges, là aussi c'est vert, elle est ultra stylée, elle est vraiment mortelle. Franchement ça fait plaisir, écoutez hop là on repart, ça valait le coup de venir, franchement je suis pas déçu. Bah voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on avait à voir dans ce mode Noël, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont créé, qui l'ont modélisé tout simplement, c'était génial, c'était vraiment super top, en plus du premier mode Noël que je vous ai fait, je pense que c'est une bonne occasion voilà de finir cette période de Noël sur Yandere Simulator, j'espère vraiment que le mode vous aura plu, j'espère vraiment que le premier mode Noël vous aura plu également. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à défoncer les likes, ça fait toujours plaisir, c'est Noël, ce serait vraiment super gentil de votre part. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes, j'espère que vous serez gâtés, j'espère que vous ferez plaisir, soyez avec votre famille, soyez avec vos amis, faites-vous plaisir, c'est Noël, soyez heureux tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez eu comme cadeau, ce que vous voulez avoir ou ce que vous allez avoir tout simplement, dites-moi tout ça en commentaire. J'attends vraiment avec impatience de savoir tout ça et je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, c'était Sora, joyeux Noël.